Bonjour, c'est Kamasso. Alors, bande de petits rageux que vous êtes, je pense que vous disiez, ça fait 2 semaines qu'on l'a plus vu et on le voit comme ça. Il me dit rien, voilà. Je vais appeler la police, je vais regarder en famille là, parce que franchement, j'en peux plus. Franchement, je vais appeler la police, il va aller en prison, le gars. Il va aller en prison. Voilà. Je vous connais bien. Ouais, allô? Ouais, l'homme mystérieux. Ouais. Je t'appelle comme ça parce que je suis en train de tourner une vidéo. Hein? Comment ça? Il y a plein de nouveaux trucs qui vont venir sur la chaîne. What the fuck? Je suis content d'avoir choisi comme manager, même si tu es pas mon manager. Bon, ciao. C'était bien. Bon, à l'heure dont je vous parle, je suis... Alors, j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'étais en vacances. J'ai même des preuves. J'ai une vidéo où je dis mon avis à chaud sur le rolling, qui est vraiment court, qui sert à rien. Mais bon, voilà, il fallait que je parle un petit peu du rolling, qui se passe pendant mes vacances. Là, je suis rentré hier. Et c'était bien, voilà. On va pas parler de ça. On va plutôt parler de l'avenir de la chaîne, de ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup. Alors déjà, pour comment, c'est il y a Cameron Boyce qui est mort, un acteur qui joue dans Descendants. Voilà, il a pu jouer son rôle dans Descendants, mais il est mort. Bon, moi je l'aimais bien. Voilà, ça me déçoit qu'il est mort. Voilà, j'étais en quelque sorte un petit peu fan de lui. Et voilà, bah, rip à lui. Alors, il y a aussi le héros dans Smash qui est sorti. On est le 1er août, à l'heure dont je vous parle. Il est sorti hier, le 30, il est sorti le 31. J'ai le Fighter Pass. Alors, je vous en parle. Parlerai dans une vidéo de mon expérience avec le héros, mais vous savez bien que si vous avez vu le Nintendo Direct et si vous me connaissez très bien, vous savez que j'aime pas le héros et que je le voulais surtout pas dans Smash, surtout pas. Et voilà. Quelque chose qui n'a rien à voir, mais Meta Runner est sorti sur SMG4, voilà. Série qui a l'air bien, moyennement bien. Mais je préfère toujours là, c'est les séries de SMG4. Alors maintenant, on va arrêter avec les nouvelles de ce qui s'est passé pendant que j'étais en vacances. Parce que normalement, il n'y a eu rien d'intéressant. Voilà. Si, il y a eu un truc, j'ai ma page Twitter. Ça s'appelle Kamasol Gamer. Vous tapez sur Twitter Kamasol Gamer et voilà. Vous avez ma page Twitter. Voilà, je vous renseigne de beaucoup de choses et voilà, ça c'est un petit peu pour donner mon avis. Voilà. Alors maintenant parlons de la chaîne. Alors, il va se passer beaucoup 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 de choses là très bientôt. Alors déjà, la grande aventure boîte Lego 2 est en préparation. Je peux vous donner une image du truc pour l'instant. Voilà, c'est mon radio réveil que j'ai reçu, qui sera bien sûr dans la grande aventure boîte Lego. Et c'est en préparation, voilà. Déjà ça, un très gros projet de la chaîne. Après, il y en a deux autres. Alors, il y a Détective Doudou Pikachu. Bon, ça, il y a eu des petits problèmes pour que voilà que la suite ne sort pas. Mais ne vous inquiétez pas. Détective Doudou Pikachu reviendra très 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 bientôt. Je ne peux pas vous dire quand. Mais la série va revenir parce que ça fait quand même longtemps. Longtemps. Voilà. Qu'on attend la suite de Détective Doudou Pikachu. Le troisième gros projet, je vous le dis après. Pour l'instant, voilà.
Alors déjà là, avant que cette vidéo sorte, normalement, il y aura un petit secret entre voisins et famille, la partie 2. Alors j'espère que ça vous a plu, parce que je suis quand même un petit peu triste, parce qu'il y a 2 pouces rouges dans le premier vidéo et 1 pouce bleu. Je comprends pas pourquoi. Bon, de toute façon, je m'en fiche. Ce que j'essaye de faire en faisant des vidéos, c'est déjà faire des vidéos pour le plaisir. Et si ça vous plaît pas, tant pis pour moi. Je le fais juste pour le plaisir. Mais c'est pour ça que je me dis que voilà, il faut que je bosse un petit peu sur cette vidéo. Après, plein de nouvelles concepts de vidéos sortiront. Surtout de nouveaux formats. Un format qui s'appellera l'histoire des doudous. Donc ça racontera l'histoire des doudous et comment ils sont arrivés ici et comment ça s'est arrivé quand ils sont arrivés ici. Et il y aura une autre série à part entière qui raconteront l'histoire de d'autres doudous, de l'homme mystérieux, c'est la envie et de Logan. Et de Logan. Et ça sortira sur ma chaîne. Ensuite. Voilà, il y aura bien sûr beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos avec Logan, dont une série d'un projet mystérieux est prévu. Un grand projet que je vous dirai après. Et voilà, on fera des vidéos défis, des petites soirées. Voilà. Je vous en dis pas plus. Il y aura un autre format, et ça sera le. C'est comme Cyprien Pub versus réalité. Et ça sera dans plein de trucs, genre la télé, les dessins animés, la réalité. Bah plutôt, on va imiter des choses, des dessins animés. Et il faudra que vous sachiez quel est ce dessin animé où on va imiter des séries télé. Et vous devrez deviner les séries télé, bref, ça je sais pas comment on va appeler. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, et maintenant parlons du gros gros projet secret. Ça concerne que les gens qui ont Mario Maker 2, parce que sinon les autres ils peuvent complètement s'en foutre. Pendant toutes les vacances, j'ai bossé sur un sorte de. D'un mode histoire pour Mario Maker 2. Et ce mode histoire, c'est vraiment un mode histoire. Il y a 8 mondes, 4 niveaux pour un monde. Et franchement, c'est complètement fou ce que j'ai fait. J'ai beaucoup bossé, bossé, bossé pendant que j'étais parti là. J'étais seulement au premier monde quand je suis parti. Là, je suis rentré, on est au 7e monde, sachant qu'il y a 8 mondes. Comme dans un vrai Mario, donc pour vous montrer. Et je suis parti 15 jours pour vous montrer que j'ai beaucoup bossé. Bien sûr, la difficulté elle monte, elle monte, elle monte. Et comme dans un vrai jeu Mario, quoi. Et j'ai beaucoup. Je suis content de mon bossage, on va dire. Et alors, il va y avoir un let's play de ce mode histoire qui viendra. Avec plus de détails, parce qu'il y a des choses, parce que voilà, avec un peu plus de détails, il y aura une vidéo qui vous racontera vraiment tout, si vous comprenez pas. Et déjà, il va tous mes niveaux vont sortir. J'aurai le mode histoire, tout le mode histoire sera disponible sur dans la plateforme internet. Et voilà, comme ça, vous serez. Pourriez jouer, et voilà, si vous comprenez pas l'histoire, je pourrais tout vous dire pendant le let's play et encore plus sur une vidéo pour un peu plus comprendre, parce que parfois j'ai pas de place dans la description et déjà dans ces vidéos excusez-moi, j'ai ok je vous raconte le sujet, tout ce qui s'est passé, pourquoi Mario fait toute l'aventure et tout et tout.
Voilà, c'est le gros projet secret. J'y ai beaucoup bossé. Je ferai un let's play avec Logan. Peut-être pas le mode histoire. Mon mode histoire sera pas peut-être en entier avec Logan, mais voilà, on va essayer le plus possible. Et voilà, et l'épisode 1 sort bientôt. Il sortira quand j'aurai fini tous les niveaux. Et il viendra juste avant. Ça sera genre en quelque sorte une avant-première. Sur tous les niveaux qui sortiront sur Internet. Je mettrai le premier identifiant du premier niveau. Ensuite, vous pourrez aller sur ma page et jouer à tous les niveaux. Et voilà. Et j'espère que ça va vous plaire. Alors, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Et voilà, j'espère que vous avez hâte de tout ce qui va se passer.